Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue. Si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça fait un mois à peu près que je vous partage mon sport sur Instagram en story un petit peu tous les jours. Et je vous ai dit que je commençais un nouveau challenge. Et donc dans cette vidéo je vais tout vous raconter, vous montrer le avant après, ce que j'ai fait exactement, pourquoi, etc. Donc c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est en collaboration avec la marque Oceans Apart. J'ai eu la chance de recevoir plusieurs ensembles que je vais vous montrer qui m'ont permis de faire mon sport en étant très heureuse, parce qu'il n'y a rien de plus motivant que d'avoir des nouvelles tenues pour faire du sport. Et là, c'est clairement ce qu'il me fallait pour mon challenge, parce que je pense que vous comprenez, on se comprend. Quand on a des nouvelles tenues, on a envie de faire du sport, ça nous motive. Le premier set que j'ai reçu, c'est le Coconut Set. Il est trop mignon, cette espèce de violet. Je sais pas comment s'appelle ce genre de couleur d'ailleurs. Il est trop joli. Sachez que vraiment toutes les tenues sont ultra confortables. C'est ce que j'ai trop aimé avec Oceans Apart, c'est qu'elles sont trop jolies, confortables, et vous avez énormément de choix sur le site. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi j'ai choisi ces ensembles là, mais vous en avez évidemment plein d'autres. J'ai également le set Daylight qui est trop joli aussi. Je vais dire ça à chaque fois, mais bon, vous me connaissez, je dis tout le temps trop. J'ai également le set Beauty Deluxe. Celui-ci c'est vraiment mon préféré pour le coup, parce que il est tout en un. Là j'ai pris un full set avec le legging, la brassière, plus le petit haut à manches longues. Et j'ai également le set que je porte actuellement, qui est le Beverly Set Cozy, je crois. Et ce set, je l'ai mais poncé, c'est à dire que lui je l'ai mis un petit peu au début, je le mettais pour le sport, et au final après je suis vraiment restée sur mes tenues classiques, et celui-ci je le mettais vraiment tout le temps par contre à la maison. Donc lui vraiment je l'ai mis et remis depuis, et d'ailleurs il a pas bougé, j'ai pas arrêté de le laver, etc. Et il a pas bougé, donc je suis très contente. Et donc vous vous doutez bien que j'ai un code promo pour vous. On sait qu'Oceans Apart ils font des bons codes promo, mais alors celui-ci il est vraiment trop bien. Ils ont été trop gentils, parce que avec le code Andy vous avez un set acheté, un set offert, mais pas n'importe quel set. Vous avez un set parmi ceux que je vous présente dans la vidéo. Du coup, on va pouvoir avoir les mêmes sets, vous allez les envoyer sur Instagram, je suis trop contente. Et du coup, c'est une offre qui est valable 24 heures, comme d'habitude, et elle est valable aussi à partir de 69 euros d'achat. Vous avez toutes les infos en barre d'infos, ainsi que le lien. Bon, passons à nos petits abdos. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? J'ai plein de choses à vous dire. Je vous explique. Je me suis décidée, il y a quelques temps, de faire des abdos tous les jours. C'était dans mes résolutions 2020. Je me suis dit, bon, les abdos, moi, c'est le truc sur mon corps que je veux le plus travailler. Donc, je m'étais donné comme résolution 2021 de faire des abdos tous les jours, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, juste faire des abdos tous les jours. Est-ce que j'ai réussi ce challenge? Non, mais comme j'ai pas réussi ce challenge, je me suis donné un autre challenge pour me remotiver. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai voulu faire mes petits abdos du soir et je suis tombée sur une vidéo de Pamela Reif où elle faisait des abdos pendant 15 minutes, je crois que ça s'appelle Six Pack Abs Workout, un truc comme ça. Et donc sur cette vidéo, je me suis dit, ok, bah je vais la faire, elle a l'air cool et tout, et je la fais et j'adore, parce que le lendemain matin, je me réveille et je sens, vous savez, cette sensation que ça a fonctionné. Donc je suis trop contente, je la refais plusieurs fois et je vois grave la différence. Donc là je me suis dit, ok, je vais carrément faire un challenge d'un mois où je me motive et je fais ça tous les jours, comme ça je vois le avant après. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça en vidéo, c'est encore mieux. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors je voulais faire vraiment 30 jours, malheureusement c'était un tout petit peu juste, parce que bah du coup il y a eu cette petite collab qui s'est rajoutée, donc j'ai dû raccourcir légèrement parce que j'avais une date pour rendre cette vidéo. Donc j'ai fait environ 25 jours. Dans ces 25 jours, il faut savoir un truc, c'est que j'ai loupé 3 jours. Voilà, comme ça vous savez un petit peu. Mon objectif c'était de creuser un petit peu ma taille, parce que vous le savez peut-être ou non, en tout cas sur mon corps c'est le truc que j'essaie de travailler, parce que j'ai tendance quand je ne fais pas de sport à être droite, voilà, et moi j'aime bien les petites hanches un petit peu creusées. Donc du coup c'était l'objectif. Évidemment un petit peu plus tard dans la vidéo vous allez avoir un avant après en vidéo, en tout, vous inquiétez pas. Donc je commence le challenge en me disant, ok, je pense que ça va être dur les premiers jours, c'est cool, etc. Et ensuite je me dis, oh my god, mais pourquoi j'ai accepté de faire cette chose. Au début franchement c'était facile, dans le sens où c'était dur de faire les exercices, parce que au début bah c'est toujours dur, mais par contre c'était facile de se motiver, parce que bah, j'étais motivée, je voyais les jours de mon challenge, je voyais le jour où la vidéo devait sortir. En tout cas ce que je peux vous conseiller c'est vraiment de vous fixer une date, parce que quand on se fixe pas de date c'est impossible, enfin en tout cas pour moi vraiment j'arrive pas à me dire ok bon bah je vais faire un challenge comme ça. Donc je vous conseille vraiment de vous fixer une date, c'est important. Moi c'est ce que j'avais fait, la date c'était le 28 et rien d'autre. Je m'étais dit, là ok c'est le 28, je suis obligée. Parfois j'avais trop la flemme, même quand je loupais je me disais, mais en fait là c'est simple, j'ai 25 jours sur mon challenge, je m'enlève des jours, donc c'est pas possible. Donc en fait c'est comme ça que j'arrivais à me motiver. J'ai voulu faire ça en vidéo pour vous montrer un petit peu aussi, parce que je sais que tout le monde se motive à faire du sport un peu avant l'été. Donc je me suis dit, ok, je vais un peu tester aussi pour eux. Est-ce que vraiment faire juste 15 minutes d'abdos, pas de cardio, parce que ça m'arrivait de faire du cardio, mais j'ai dû en faire 3 fois en tout pendant le challenge, donc ça a pas dû changer grand chose. Mais je voulais pas de cardio, rien qui puisse vraiment faire perdre du poids, etc. Ni un énorme changement alimentaire ou quoi que ce soit, pour vraiment voir en gros, est-ce qu'on voit la différence si, voilà, pendant un mois je me motive à faire des abdos avant l'été,
Est-ce que ça va un petit peu changer quelque chose à mon corps dans mon maillot de bain ou pas du tout? Donc dans la vidéo, vous avez 15 minutes. Je trouve que au tout début, les exercices sont trop cool parce qu'ils sont pas du tout difficiles. Vous avez des crunchs, vous avez plein de petits exercices qui sont très cool. Personnellement, j'ai mon favori, je vous le mets juste ici. Je l'adore parce que déjà, il est simple, mais il travaille super bien les abdos et surtout, ça nous étire. En fait, quand vous avez les pieds qui touchent le sol, quand la jambe est tendue, ça étire les abdos et ça fait un bien fou. Donc celui-ci, c'est vraiment mon préféré. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais j'ai pas du tout filmé le début du challenge, j'ai plutôt filmé la fin quand je suis arrivée en Sicile en fait, parce que oh, il y a le petit chat, il est en train de marcher, il est trop mignon. Attendez, je vous montre. Coucou. J'ai filmé qu'ici parce que le cadre était bien plus sympathique et puis de toute manière ça change rien que je filme mes séances vu que je fais du sport et je fais tous les jours la même chose. Ce que j'aime bien c'est qu'on sent vraiment que ça fonctionne. Au début on le sait pas en claquant des doigts, hein. Il y a des exercices où je lâchais vraiment rapidement, où j'en avais marre etc. Et même parfois souvent la fin, je cutais avant la fin parce que c'était trop pour moi. Mais en fait au bout d'un moment vous vous y habituez, forcément vous prenez de la force donc c'est beaucoup plus simple et c'est vraiment ce qui s'est passé pour le coup, j'ai vu une énorme différence à ce niveau là. Maintenant l'exercice je l'ai fait vraiment sans réfléchir. Le seul truc c'est qu'il y a des trucs que je déteste, par exemple les mountain climbers, alors ça me donne envie de mourir. Tout ce qui est un peu cardio, que je deviens essoufflée ou que je dois sauter un petit peu, je déteste par-dessus tout ce genre de choses. Dites-moi si vous êtes un peu pareil en commentaire. Moi ça me saoule, genre ça m'essouffle super rapidement. Tous les trucs où il faut sauter vraiment, c'est pas mon délire. Enfin bref, donc ces trucs-là à la fin, surtout que ça c'est à la fin, donc c'est-à-dire que t'es déjà morte pendant toute la séance. Et en plus, tu dois faire ces trucs-là qui te détruisent et ça c'est dur. Ça c'est super dur. En tout cas, si jamais vous voulez le faire, sachez que quand vraiment je ne voulais pas les faire et que c'était trop parce que parfois je le faisais le soir, quand c'était vraiment trop pour moi, ce que je faisais c'est que je remplaçais par autre chose qu'il y avait dans la vidéo. Mon mountain climber, je faisais des crunchs, j'en sais rien, enfin voilà, je remplaçais. Juste histoire de dire que voilà, j'ai pas loupé, je fais quand même une séance de 15 minutes et je fais quand même des abdos et voilà, je fais quand même du sport. Et sachez aussi que c'est 30 secondes, donc tous les mouvements durent 30 secondes et il y a quasiment aucune répétition je crois. Oh non, il est trop mignon. Il y a quasiment aucune répétition, je crois que vous avez le gainage que vous faites plusieurs fois et peut-être le mountain climber, je sais plus. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer le avant après, on l'attendait tous. Et moi-même ce matin quand j'ai tourné le après, parce que du coup j'ai tourné ce matin, sachez que les deux ont été tournés vraiment à jeun. Donc vous avez mon corps d'avant à jeun et mon corps d'après à jeun. Quand j'ai tourné ce matin, moi-même je me suis dit ça se trouve il n'y a aucune différence. Mais en fait si, heureusement, Dieu merci, il y a une différence. Je la sentais mais j'avais peur qu'elle ne se voit pas. Donc je vous laisse avec les images. On peut observer que j'ai les hanches un petit peu plus creusées et ça me fait trop plaisir parce qu'en un mois c'est quand même ultra rapide. Donc ça je suis trop contente parce que je vous assure que sur moi c'est super dur de creuser mes hanches. Donc là j'étais vraiment trop contente. On peut apercevoir aussi ma ligne d'abdos qui est un petit peu plus voyante et ça fait extrêmement plaisir en sachant que j'ai rien fait au niveau de mon alimentation. Ensuite de profil, je pense que ça va se voir, j'ai vraiment perdu, j'espère que ça va se voir, mais en tout cas en vrai ça se voit de ouf. J'ai remarqué quelque chose aussi quand je mets mes mains à la taille, en fait je sens moins, je suis moins large. De derrière, je vous laisse juger par vous même ce qu'on peut apercevoir. Je pense qu'on peut voir un petit peu que effectivement j'ai les hanches qui sont un petit peu plus creusées et vraiment la grosse diff c'est de profil, le ventre qui s'est vraiment beaucoup plus aplati. Je sais que j'ai pas des kilos et des kilos à perdre parce que le but c'était pas du tout attention de perdre des kilos mais juste d'avoir des beaux abdos et de creuser un petit peu mes hanches, mais c'était pas du tout le but de perdre, on est d'accord. Et pour le coup je mange normalement, enfin hier soir je peux encore vous dire, hier j'ai mangé d'ailleurs, si jamais vous voulez des petites idées de recettes, mon alimentation, moi vraiment j'essaie de manger globalement sainement mais aussi je me fais plein de plaisir, enfin quand j'ai envie de quelque chose je m'en prive jamais. Si j'ai envie de manger des chips, d'ailleurs j'en mange tout le temps ici, je mange des chips. Si j'ai envie de manger des Kinder Bueno, je mange des Kinder Bueno, enfin voilà, moi je me prive absolument pas, vous le savez si vous me suivez sur Insta aussi. Mais je prends aussi beaucoup de plaisir à manger des petites recettes saines et surtout j'adore les petits déjeuners sains. Si jamais vous voulez des petites idées de recettes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que il y a plein d'idées de recettes. Et d'ailleurs aussi sur Instagram, je vous fais des petits what I eat en reel et tout. Là j'aime trop. Revenons-en aux moutons. Donc honnêtement, je suis trop contente d'avoir fait ce challenge et surtout je vais continuer. Du coup moi les séances, je les faisais le matin. Sachez que vous pouvez faire vraiment quand vous voulez. Au début du challenge, j'étais plutôt team le soir parce que en fait je me rendais compte qu'avant manger, ce que je faisais, parce qu'après manger, faut même plus me parler, mais avant manger, je me mettais vite fait en tenue de sport, je me faisais mon sport en 2 secondes. Au début je le faisais le soir et en fait ici comme il fait beau etc, souvent je me mettais juste à côté de la piscine avec un peu de soleil et j'étais trop contente de faire mon petit sport le matin. Et surtout en fait j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand on le fait le matin on est débarrassé, même si c'est chiant c'est que 15 minutes, au pire vous allez vous lever 15 minutes plus tôt, franchement c'est pas la mort, en tout cas pour un challenge et pour avoir un summer body. Et le problème c'est que ça m'est déjà arrivé de dire bon ce matin je le fais pas, je le ferai ce soir parce que là la flemme. Sauf que le problème, je sais pas vous mais moi comme je suis tout le temps la
maison parce que je travaille de la maison, et bah j'y pense toute la journée et je me dis oh là là, il faut que je fasse mon sport ce soir, etc. Et le soir, ça va tellement vite, on le sait, il suffit que notre journée finisse un peu plus tard. Après, faut rentrer, ranger, nanani, manger, se doucher, et après, là, c'est trop dur de se motiver. Alors que le matin, même si je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça, si vous avez la chance de pouvoir vous lever 15 minutes plus tôt, et bah franchement, faites-le parce que c'est trop motivant, parce qu'après, on est débarrassé et surtout, on est fiers de nous pour la journée. Genre, ça y est, j'ai fait mon sport, j'ai plus rien à faire à ce niveau-là. Et je voulais vous dire aussi que moi, je le faisais à jeun avant. J'avais peur de faire à jeun, surtout qu'une fois, je l'avais fait et j'ai cru que j'avais fait un malaise, enfin, c'était une cata. Donc, du coup, j'avais eu un peu peur et en fait, maintenant, j'ai pris l'habitude et j'aime trop parce qu'il n'y a pas un seul moment dans la journée où j'ai plus de motivation et d'énergie que le matin à jeun. Donc voilà pour ce petit challenge, je vous ai fait un petit résumé comme j'ai pu de tout ce que j'ai fait. Sachez que là, ce que je compte faire, c'est continuer et peut-être associer effectivement cette vidéo à d'autres petites choses, peut-être travailler plus les jambes, etc. Je l'ai fait quelques fois, mais là, à vraiment le faire sérieusement. Et puis voilà, dites-moi si vous aimez ce genre de challenge, si vous avez d'autres challenges à me lancer, je suis grave partante. Et surtout, surtout, si vous allez le faire également, évidemment, envoyez-moi des petits messages. Moi, je suis trop contente, en tout cas, si ça peut vous motiver. J'ai vraiment choisi celui-là parce que 15 minutes par jour, je vous dis pas que quand je me lance un challenge, je fais une heure de sport par jour pendant 3 mois. Là, voilà, c'était un mois, 15 minutes par jour pour avoir un ventre plat et un ventre sculpté. Imaginez si vous commencez maintenant pour cet été le corps que vous allez avoir. Non mais quand même. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà le cas. Et également sur YouTube, je sors 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et n'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos pour Ocean's Apart. L'offre est valable 24 heures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la vidéo. Mouah.